la paix. Hommage à tous les morts pour la France. Message du 11 novembre 2014. Depuis plusieurs mois, la France se remémore la première année de la Grande Guerre dans le cadre d'un centenaire unanimement partagé. Les Françaises et les Français se mobilisent pour rendre hommage à leurs aînés et rappeler leur fierté à l'égard de l'histoire de notre pays. Nous nous souvenons de ce 3 août 1914, de ce tocsin qui retentit dans les villes françaises et alerte la population, de ces millions de Français qui se mobilisent. Nous nous souvenons avec respect et émotion de cette journée du 22 août 1914 qui dévoile l'horreur effroyable de la guerre, de ces 27 000 jeunes Français qui meurent au combat ce jour-là. Nous nous souvenons de ce 12 septembre 1914, de ce sursaut français qui redonne foi en nos combattants et en la France. Mais il nous appartient surtout aujourd'hui, à toutes et à tous, de nous souvenir de ce 11 novembre 1918, de cette paix que chacun de nos concitoyens croyait alors éternelle, de la force de la République qui jamais ne plia et du triomphe de ses valeurs, de nos soldats tombés ces dernières années sur les théâtres d'opérations extérieures pour perpétuer l'héritage de leurs aînés. Ils témoignent de la réalité de la guerre, de sa brutalité, de son humanité aussi parfois, de son caractère mondial enfin, en particulier ce jour à Notre-Dame-de-Lorette, à travers l'inauguration d'un mémorial où sont inscrits par ordre alphabétique les noms de près de 600 000 combattants de toutes nationalités morts sur les terres du Nord-Pas-de-Calais. Ces 600 000 noms aujourd'hui gravés dans le marbre de l'histoire et dans la mémoire de l'humanité nous rappellent combien la mémoire de la Grande Guerre est une mémoire mondialisée et pacifiée. Aussi, cette journée du 11 novembre est dédiée à la fraternité entre les peuples et à la paix. Elle invite à la réflexion que chacun d'entre nous doit conduire sur la nécessité de préserver la paix, de défendre les fondements de notre République et de l'Europe et de garantir la place de la France dans le monde. Message de Kader Harry. Pour la France, entre 20 et 22 ans. Georges, Hutto Aimé, Thérien Joseph, Tournery Jean, Yu Louis, Bretedeau Henri, Séché Aimé, Rémia Aimé, Foulonneau Victor, Pasquier Rennes, Théodore Jean. Soldats morts pour la France entre 23 et 24 ans. Boiteau Camille, Rebion Maurice, Chauvire Joseph, Menard Charles, Menard Rennes, Nico Albert, Barreau Gabriel, Pasquier Augustin, Badreau Maurice, Chauviré Joseph, Durand Henri, Launay Charles, Lautour Henri, Rabréau Armand. Chauviré Joseph, Menard Charles, Menard René, Nicou Albert, Rabréau Gabriel, Rébion Jean. France entre 25 et 27 ans. Élie Jean, Boursier Henri, Boursier Victor, Boitodo Louis, Chauviré Henri, Poifard Jean-Baptiste, Durand Henri, Ménard Émilie, Bourget Jean.